On est reparti. Ils sont marrés, les autruches. Mais du coup, la jambe, c'est pas ici qu'on la chope. Il est beau ce jeu, ouais. D'abord, Gate, pas revenu. Et maintenant, eau empoisonnée. Sombre présage. Mais non, quand même pas. Esprit agité, Miss Catwalk. Attendez, je cherche ce que je dois faire. Hein. Ah oui, Mini-moi, t'as fait ta commande? J'ai vu, t'as mis mon code. Merci. Je vais pouvoir recommander sur Uber Eats. Merci beaucoup. Et j'espère que ça va te plaire. Normalement, ça va te plaire. Hein. Franchement, c'est bueno. Vaitra, Miss Catwalk. Grâce toi et esprit, autruche sauvée. Bonne abscale. Faites attention tout de même, Monsieur Brut. Le barrage qui filtre l'eau risque de ne pas tenir très longtemps. Ça. You va partir vite pour mettre autruche en sécurité. Mais pas possible sans Kirk. Lui, notre guide. J'arrive justement de la clinique. Kirk et moi partagions la même chambre. Da. Comment Kirk va? Il lui manque une chambre. Oh, on va le rassurer quand même, ça se fait pas. Il va bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Brut. Tuk, pourquoi lui pas revenir alors? Parce qu'il t'aime pas. La mise au point de sa jambe artificielle tarde un peu, semble-t-il. Sans cours, Yukol pas pouvoir partir. Alors, autruche vouloir continuer voyage sans les Yukol. Pas possible retenir encore longtemps. Oh, c'est chou les ours là, vous avez vu? Traverser le lac de Valsambor. Sur l'arbre. Mangé par les esprits du lac. Tuk. Les autruches qui traversent le lac, c'est donc une étape obligatoire de la transhumance. Tuk tuk. Baranur, autre côté lac. Ces chemins pleins sacrés. Autruche pondre dans sable chaud, des plaines sacrées. Mais lac pas gelé comme avant. Alors, pouvoir pas traverser. Écoutez, Brut, faites de votre mieux pour calmer vos autruches pendant que je vais à Valsambor. J'ai promis à Kirk d'aller y récupérer sa prothèse et de la lui ramener. Baitra, baitra, tout. Miss Catwalk, toi, ami des Yukol. Je vais aller parler à la chamane maintenant. Ayahuasca sera contente de voir Miss Catwalk. Elle beaucoup accompagné toi dans le monde des esprits pour libérer toi. Toi pas mourir grâce à elle. Ils sont choux, hein. Ah, d'accord. Je m'en parle trop pas. Salut Pinox. Calme ton autruche. C'est la nouvelle expression, c'est. Ou tu vas calmer ton autruche déjà. Ah, c'est stylé quand même. Je veux dire l'univers en fait. L'invention des bêtes, de l'univers, tout ça. Apaisant. Ouais, c'est peaceful, c'est sûr. Les superstitions semblent très ancrées ici. Sinistre. Sinistre. Il me jette toujours des regards assassins. Ah, Miss Catwalker. Quelle bonne nouvelle. À vrai dire, rien de bien réjouissant. Kirk, votre jeune guide, est aux mains d'Olga Efimova. Cette femme a mis sous sa coupe le directeur de la clinique, ce pauvre docteur Zamiatin. Elle semble aussi de mèche avec un militaire passablement douteux. Ces gens-là vous détestent, Ayahuasca. Ils ne supportent pas votre mode de vie. Ce sont eux qui ont empoisonné l'eau de vos autruches. Je pense aussi qu'ils retardent la pose de la prothèse de Kirk pour le retenir à la clinique et vous empêcher de poursuivre votre transhumance. J'en plus aimé Yukol.
You call Asbin. Asbin. Si you call sans guide, alors pas continuer grand voyage. Retourner dans le nord et plus jamais bouger. Et puis, autruche mourir. Allons. Nous n'en sommes pas encore là. J'ai promis à Kirk d'aller à Valsambor pour lui ramener sa jambe mécanique. Touk. Jambe magique, pas seul problème pour Yukol. Salut, Frodus. Quel est l'autre problème? Ayahuasca voit mauvais esprits partout sur le chemin des Yukol. Maintenant, beaucoup mauvais esprits sur le lac, et aussi après. Baranour très dangereux. Malheur partout. Ayahuasca très très peur. Il y a peut-être une autre solution pour traverser ce lac que d'attendre qu'il gèle. Je profiterai de ma visite de Valsambor pour me renseigner. Pourquoi Miss Catwalker faire tout ça pour nous? J'ai tout le temps tout le monde dans tous les jeux, il devrait l'avoir compris. Miss Catwalker, plus parler maintenant. Le coup de pression. Sans les Yukol, je serais morte de froid et de faim au bord d'une rivière de Sibérie. C'est naturel qu'à mon tour, je vous vienne en aide. Touk. Alors, Miss Catwalker, accompagner Yukol d'un grand voyage? Nous verrons bien. Il faut d'abord que je me rende à Valsambor. Mais comme vous, il semble que je sois prisonnière de ce camp. Yukol plus le droit d'aller à Valsambor. Miss Catwalker, comme eux, elle doit trouver laissez-passer pour pouvoir sortir d'ici. J'avais pas vu qu'il fait. C'est étrange ce lac qui tarde à geler. Sans doute une conséquence de plus du réchauffement climatique. Mauvais esprit au fond du lac faire chauffer l'eau. Salopard, mauvais esprit, partout maintenant. Salopard. Où pourrais-je trouver ce laissez-passer pour quitter le camp? Avant, Lian Wukol pouvait utiliser machine dans cabane à la sortie du camp. Mais autorités l'ont cassé. Alors plus pouvoir faire marcher. Miss Catwalker devrait demander à client touriste Valsambor. On m'a dit tous les soins que vous m'avez prodigués quand votre tribu m'a recueilli. Je tenais à vous en remercier. Miss Catwalker guérit. Tout ce qui compte. Boulot Ayahuasca. C'est marrant, non? Je vais essayer de trouver ce laissez-passer dont vous m'avez parlé. Miss Catwalker, faire vite. Ok. Drôle d'odeur. Drôle d'odeur à ses pieds. Me dis pas qu'elle a fait bibine, non. Le laisser passer à 38. C'est ça. Ayahuasca, la chamane Yukol. Je ne pensais pas la revoir après qu'elle m'ait aidé à sauver Hans. La chouette d'Ayahuasca. L'air aussi borné que d'habitude. Ok. Une peau. Sans doute pour confectionner des vêtements. De toute façon, on va faire tout le tour. Ah, j'aime bien ces points cinématiques comme ça. C'est un peu bête. On peut pas leur parler. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Et pas de laisser passer, mais comment vous êtes entré ici, alors? C'est pas du tout un Yukol. Touk-touk. Ok, je peux faire un truc sur l'autruche? Décidément, ces autruches sont adorables. Je me demande si je peux... Ok. Je t'ai dit salut, hein, Frogs. Je sais pas si t'as entendu. Fais-lui les poches, il doit en avoir. J'avoue. Désolée, mais je ne peux pas vous donner mon laissez-passer.
Sinon, je serais bloquée ici, vous comprenez? Non, je m'en fous. Hors de question de vous donner mon laissez-passer. Ça vous apprendra à entrer frauduleusement ici. Oh, mais comment elle me parle, elle? Cette yourte est accessible. Cette yourte est accessible, c'est-à-dire? Circuler. Très sympa, lui. La sympathie. C'est-à-dire, je peux monter? Ah! Voilà. J'arrête de dire ah! Punaise! C'est un tic, ça y est. Terrible. Mais en plus, dans le jeu, t'as qu'une envie, c'est de dire ah, quoi. Je sais pas ce qu'on cherche, mais je suis désolée pour la souris là qui s'est mise, je sais pas pourquoi. Des bougies. C'est du craft, ça va très bien. Nouveau jeu, nouvelle découverte. Quel beau motif. On est bien. Si seulement j'avais le temps de piquer un petit somme. Oh, t'avais fait une sieste quoi. Mais non, you cool sont des nuits. Ah ouais, non, mais you call, excuse-moi. Lélé. Du coup, c'était pas un dodo, c'était une autruche, le petit truc de chargement. By the way. Affaire moins bonne, autorité devenue hostile. Ça va où ça? Je pense que c'est pour retourner dehors. Merci pas pour des scènes de qualité supérieure. Merci, Craft. Les artisans Yukon doivent beaucoup produire ces statuettes en masse. C'est gentil. Il coule un peu ta recoule. Regardez, je suis dans l'autruche. Sub sub. Attendez, il y avait des trucs là, punaise. Un joyeux Capharnaüm. Rien à voir avec le marché de Noël. Reviens. Toi là. Allez, c'est passé. Pour ça, il faut voir avec la mairie, ma petite dame. Ma petite dame. Ah, vous les nomades, on peut dire que vous avez le sens du commerce. Allez, donnez-moi mon 2 kilos, mon garçon. Ok, bon bah je pense qu'on va ressortir, là. Hein. Enfin, je peux en rater. Quelle étrange sculpture. On dirait une sorte de pieuvre de calamar. Ah, il y a quelqu'un à qui on a volé son portefeuille, je sais pas si vous avez entendu. Bonjour. Ah ah, Unukmak. Miss Ketwork, intéressé souvenir? Eh bien, cette sculpture-là. Ha ha ha, Kilak. C'est grand esprit. Très mauvais, Miss Ketwork. Monstre de l'eau du grand lac. C'est chelou. Oh, je vois. C'est la représentation d'une légende locale. Ha ha, pas légende, Miss Ketwork. Kilak. Très grand, très méchant, vit au fond on du lac. On peut être copains, s'il faut que j'aille le voir. Et si ce monstre existait vraiment, il aurait attaqué vos autruches quand vous entrepreniez de traverser le lac pour poursuivre votre voyage, non? Yukol toujours traversait le jour. Kilak pas aimé lumière. Et toujours quand le lac gelé, Kilak pas pouvoir traverser grâce pour manger autruche. Mais maintenant, lac pas encore gelé et autruche impatiente. Pas bon, pas bon. L'un de vos collègues a réparé une clé pour m'aider à m'enfuir de la clinique. Est-ce que c'était vous? Non. Forgeron, là-bas. Ok. L'absence prolongée de Kirk vous inquiète beaucoup, n'est-ce pas? Kirk, guide sacré. Pas guide, alors pas grand voyage. Miss Ketwork, c'est quelle nouvelle Kirk? Son traitement l'affaiblit beaucoup, mais il allait bien quand je l'ai laissé. Ah, Kirk revenir vite. Sinon, pas bon, pas bon. Eh bien, comment vont les affaires? Toc toc,
fini client touriste ici. Plus aimé Yukol à Varsambor. Pas bon business. Pourquoi on ne vous aime pas ici? Yukol bloqué trop longtemps à Varsambor. Pas bon. Devoir partir vite. Au revoir et merci pour tous ces renseignements. Okaye, Miss Catwalk. Bye bye. Comment elle le regarde? Un artisan Yukol entouré de sculptures en bois. L'ébéniste de la tribu? Alors, on va peut-être aller voir du coup le mec qui s'occupe de la forge quand même. Allez, c'est passé. Pour ça, il faut voir avec la mairie, ma petite dame. Petite dame. Tu es à chaque fois. Lui parle pas. Vas-y. C'est quoi cette mouche? Monsieur, excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Cela s'entend. Que diable fait une jeune américaine dans notre belle région? Des affaires? Ou du tourisme, peut-être? Oh, c'est une longue histoire, croyez-moi. Je vois. En tout cas, il faut absolument que vous visitiez notre ville. Vous savez, Valsambor a beaucoup de charme cette saison. Et profitez-en pour vous arrêter à ma taverne. C'est la meilleure table de la ville. Malheureusement, je n'ai pas de laissez-passer pour aller à Valsambor. Peut-être que vous savez comment faire pour en avoir un? Oula, ça va être compliqué. C'est la mairie de Valsambor qui délivre les laissez-passer. Et il vous faut un laissez-passer pour vous y rendre. Alors je suis coincée ici. C'est pas logique. Peut-être pas. C'est le laissez-passer de ma femme. Elle est souffrante et n'a pas pu m'accompagner. Ce document est parfaitement valable. Si ce n'est qu'elle a oublié de le faire tamponner à la mairie. Oh bah dis donc. Et... c'est gênant? Hélas, oui. Sans tampon, ce document ne vaut rien. Avant, il suffisait d'utiliser la tamponneuse qui se trouve dans la guérite des policiers municipaux, là-bas, à l'entrée du camp. Mais elle a été mise hors service depuis que la mairie a sévèrement durci les lois contre les Yukol. Donc ce laisser-passer ne sert à rien? Pas forcément. Il suffirait juste d'y ajouter un tampon qui ressemble au sceau de Valsambor. Les policiers municipaux ne sont pas des aigles, faut bien l'avouer. Enfin, je vous ai rien dit, moi. Bon courage, mademoiselle. Et n'oubliez pas de passer à ma taverne quand vous serez à Valsambor. Cool. C'est bien aimable. Un joyeux Capharnaüm. Rien à voir avec les marchés de New York. Du coup, on va essayer de voir lui, là. Peut-être en faisant le tour. Ah, voilà. Cette forge est magnifique. Attends, hop. Avant, Yukol pouvait tamponner dans cabane. Puis hop, visitez ville. Bon, on va sortir, je pense. Si on trouve la sortie, parce que là, faut que je la retrouve. C'est pas là. C'est là. Pardon. C'est pas là? Punaise, je crois que c'était là. C'était avant, là? Peut-être. On va essayer de résoudre cette histoire de laisser passer quand même. Oui, t'as vu Zombie, c'est un peu, hein. Ouais, d'accord. Non, mais c'était là en vrai. En vrai, ils nous mentent. En Yukol, c'était en version Yukol. Salut Filou. Bon, attendez, je cherche juste à trouver mon chemin. On va s'en sortir. Au revoir. Allô? Laissez-moi passer, punaise. C'est tout si gros que j'arrive pas à passer, forcément. Tiens, mets ton pote encore, Zombie.
Ah, c'est là. Finally. En vrai, c'est pas la même sortie. La clinique. J'espère que Kirk tient bon. Non, mais vous avez vu cette clinique de l'enfer ? Bonjour, voici la clinique. On est bien ici. C'est terrible. J'aurais dû prendre des screens, j'ai pas pris de screens, j'ai plus l'habitude avec Mass Effect. Ah ! J'ai zappé. Dois laver cabane pour éviter un manque. Ah. Une guérite. Sans doute celle des employés municipaux. Stop ! On ne passe pas ! Et pourquoi donc, je vous prie ? Mademoiselle, la divagation intempestive des nomades du Yukol dans la ville s'étant avérée être un élément perturbateur de la quiétude de ses concitoyens... Oh là, tellement bien. Le maire Bouyakin a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez-passer dûment tamponné. Mais de quelle perturbation de l'ordre public peuvent bien être accusés les Yukol? Dégradation des infrastructures publiques, chapardage, vol à l'étalage, mendicité, toute la panoplie délictueuse de ce genre d'individus. Et vous avez des preuves formelles contre eux? Sans laisser passer, on ne passe pas. Vous avez vu, il a le calamar sur sa tête, sur son couvre-chef. Non, bah je reviendrai, parce que là, si j'ai mon conseil, c'est passé sans tampon. Indispensable. Alors n'insistez pas. C'est pas RP. Circulez. C'est petit chez eux. Alors. Une tamponneuse. Incomplète, on dirait. Une forme est incrustée dans le cuir. D'accord. Ah! Sûrement pas. Si, si, non, si, on peut faire fondre et faire un saut. Ça ne va pas. Mais si, mais complètement! Meuf! T'es bête ou quoi? Non, sérieusement. Ah, ça c'est pour ouvrir, d'accord. Excuse-moi. Il manque le tampon. Pratique. Tu m'étonnes. Ok, ok, vas-y, quitte ce truc. J'entends du feu à côté, là. On va forcément pouvoir... Je vais faire chauffer mes bougies, blabla. Les tampons. Mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Non. Ah. Vu les conditions de vie ici... Je comprends mieux l'amabilité du policier. Faut que je retourne dans la forge, vous croyez? Bon, je vais quand même tout regarder, je vais pas tout regarder. Tout de même. Oh, je pense que c'est bon, voilà. On peut pas combiner, je me demande. Des bougies Yukol faites à partir de cire artisanale. De l'encre. Hmm.
À force, un sceau s'est incrusté dans le cuir. On dirait celui de Valsambor. J'ai un doute en fait. Putain, on va voir si on peut remettre des trucs. Ah, peut-être faut que j'installe mon papier déjà. Ce sera toujours ça de fait. Ça ne va pas. Possible. Sûrement pas. Bah complètement. Mytho. Rien à faire. Ça ne marche pas. Rien. Essayons autre chose. Impossible. Je fais des essais. Ça ne va pas. Essayons autre chose. Rien à faire. Rien. Ah bah il remet. D'accord, ok. Si tu veux. Sûrement pas. À ce point ? Impossible. Ça ne marche pas. Je sentais bien le coup de la bougie pourtant. Je tiens à dire. Impossible. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Rien à faire. Ça ne marche pas. C'est quoi l'intérêt de ce truc? Sûrement pas. Essayons autre chose. Ok, ça s'est fermé du coup. Je sais pas si je peux laisser mon laisser-passer ici. C'est pas très sécure, mais bon. C'est pas grave. Moi, j'aurais bien repris le tampon, quoi. Peut-être que je vais chercher trop loin, mais ça me semble pas mal. Écoute, non, ça me semble pas mal, là. Ouais, non. Salut, Daïda. J'ai besoin d'attention. Beaucoup, beaucoup. Une guérite. Sans doute celle des employés municipaux. Ça va, ça ? Tuk Tuk Tsugar ! Baertla, Miss Catwalk. Honokmak. Voici donc ce fameux lac qui ne gèle plus. Ah. Effectivement, un calamar. Un calamar gisant dans une flaque d'encre. Pauvre bête. Ah! Je maintiens qu'on devrait faire fondre la truc. Ouais, mais si on veut faire fondre la truc, il nous faut le support. Peut-être que je vais chercher trop loin. Je crois qu'on n'a pas besoin. Alors même là, il y a un point... La clinique. Ah non, ça on l'a déjà vu. J'espère que Kirk tient bon là-haut.
Bon, il y a beaucoup d'étapes, hein. Je sais pas si je vais m'en sortir. Mais on verra bien. Déjà, on va ranger la chose. Impossible. Il y a de la mise ? On dirait bien. Il manque le tampon. Pratique. C'est peut-être pas grave. C'est bon ? Mais ça ne marche pas du tout. Il manque le tampon. Pratique. Ah, attends. Peut-être. Ça fait quoi ça ? J'arrive pas à voir ce que ça fait. On a raté quelque chose. Est-ce que l'éponge a été mise ? Oui. L'éponge a été mise, ok. Sûrement pas. Il nous manque un élément. Ça ne va pas. Ok, il nous manque un élément à mettre ici. Soit. Rien d'utile ici. Des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Ah, on peut peut-être aller voir le sculpteur pour qu'il nous fasse un... je sais pas. Mais dans ce cas, attends, il faut que je me balade avec le cuir. Pour qu'il fasse un truc de la même forme. Désolé, hein. Ça paraît logique. Hop. Yeah. Hop là. Si on peut le prendre, c'est pas pour rien. Salut Ravi Gamer. Ouais, vous êtes du même avis que moi. Tout va bien. Ah, on devrait y arriver. On va aller voir celui qui discute, hein, je pense. Maintenant, clients touristes pensent que Yukol sont tous voleurs. Ah bah non, finalement. On va voir l'autre. Ah bah non, mais il est là, le sculpteur. Je me suis trompée. Clients touristes aimaient bien Yukol avant. Quand Yukol pas resté trop longtemps à Varsambor. Ils sont bas les steaks. Ah ouais, changement de caméra, moi je suis pas bien. Par là. On va refaire le tour, c'est pas grave.
tellement de monde. Finesse. En même temps, on a demandé où était le forgeron et tout, par logique. Ah. C'est bon signe. Bonjour. Connor Mac, Misketwalk. Ils ont forgé quelque chose. Exactement. Eh bien oui, en effet. J'aurais besoin d'un tampon qui ait la forme du sceau de la ville de Valsambor et que je puisse utiliser avec la presse à l'entrée du camp. Compliqué. Besoin modèle. Toc toc. Toi avoir ça, Misketwalk. Misketwalk. Il va te forger une épée, mais non. Oh là là, compliqué. Oh, parfait. J'avais raison que c'était avec les bougies. J'ai. Me demande pas autre chose, par contre, j'ai plus rien après. Bonne Camelot. Tant pour prêt, t'as pas longtemps. Super. Génial! Mori Tuk Tuk. C'est ça. On va regarder à quoi il ressemble ce tampon. C'est marrant qu'il y ait ce symbole repris partout. Ce logo correspond à l'identique au sceau de Valsambor. Il est fort, le forgeron. Il va parfait! Bon, je fais trois fois le tour, mais bon, c'est pas grave. C'est au cas où. J'ai envie d'essayer de chercher la sortie, en fait. Hein. C'est pas simple. Ah, voilà. Nous y voici. Salut, Snaker. Hop, il y avait un truc à regarder là-haut. Difficile Hop. De ne pas se sentir intimidé. Et on va pouvoir faire notre tampon. Super. Ce que j'apprécie aussi, c'est que jusque-là, tout était bien logique, c'est cool. Très très bien. Bon, on va tout remettre du coup. Ah ok, on le trempe dedans. Je trouve le moyen de fixer le tampon avant qu'il ne retombe. Ah. Fixer le tampon avant qu'il retombe. Hein? C'est pas bon là? Il est pas ancré? Vérifions. Il est pas là. Ce logo correspond à l'identique au sceau de Valsambor. Je pense que c'est bon. C'est juste qu'il fallait le dévisser avant et hop. Oh, j'espère que ça a marché là. Ça a l'air d'être bon. Oui. Merveilleux. Et en plus, ils peuvent même refaire leur laisser-passer, du coup. Super!
J'ai pas regardé le laisser-passer d'ailleurs. Ah. Mince. Ah non, c'est bon. Bonjour, Miss Walker. Ah, d'accord, c'est lui. Très heureux de vous retrouver enfin. Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ramenez à la maison, de gré, de force. Allons. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Monsieur Quentin, je ne sais pas combien vous ont promis vos commanditaires pour me livrer à eux. Et si ce n'est qu'une question d'argent, peut-être que... Arrêtez ça tout de suite, Miss Walker. Vous devenez un tantinet insultante. Sachez-le, ma probité professionnelle n'a jamais été prise en défaut en plus de 20 ans de carrière. Allons, donnez-moi vos poignets. C'est nul, on venait de réussir. Monsieur Marson, enfin, je la tiens. Oui, elle est saine et sauve. Miss Walker est sous mon contrôle. Il a la voix de Buzz l'éclair. Pour la suite. C'est l'affaire d'un jour ou deux, tout au plus. Il y a, j'imagine, quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays. Écoutez, toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement. Le meurtre de Hans, les détournements de fonds, c'est du délire. Et pendant que nous perdons du temps ici, je ne peux pas aider les Yukol. Or, croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. Je ne suis pas votre ennemi, Miss Walker. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous semblez le prétendre, votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal. Vous n'avez plus rien à faire ici, ou, je le crains, vous ne comptez pas que des amis. Vous avez compris ce que je... Eh bien, soit, Monsieur Quentin. Vous avez gagné. Je suis bien content de vous voir enfin devenir raisonnable, Miss Walker. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre l'arrivée d'un représentant des autorités militaires régionales pour les procédures administratives. J'imagine qu'alors nous obtiendrons rapidement l'autorisation de quitter ce pays. Combien de temps faudra-t-il attendre? Vous savez, j'ai été souffrante ces derniers mois. Je suis en convalescence. Je suis encore un peu faible. Eh bien, ça risque de prendre quelques heures, tout au plus. Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau? Je ne me sens pas très bien. Quelle actrice! La tête me tourne. Il faudrait que je vous laisse ici en attendant. Je ne suis pas sûr que... Je vous en prie, Monsieur Quentin. Je crois bien que je vais m'évanouir. Ne vous inquiétez pas, Miss Walker. Je vais voir ce que je peux faire. Surtout, ne bougez pas d'ici. Vite. Je dois me libérer et filer d'ici pendant que Quentin est occupé. Attendez, on peut pas s'arrêter là-dessus. Ah, faire tomber la bouteille et prendre le morceau de verre. Ça doit être ça. Hein ? Ah, ok. Ouf. Intact. Bon sang. Il faut que je trouve autre chose. C'est dommage, t'es bien parti. Un peu choqué et déçu, là. À moins d'essayer de fracturer le crâne de Quentin et les mains dans le dos, ça ne me servira à rien. Je peux pas bouger ? Non, je peux pas bouger. D'accord. C'est marrant que ça marchait pas le truc de la bouteille quand même. C'est un truc classique. Ah si, quand même en fait, fallait juste faire tomber un truc dessus. Allez, Kate Walker. Dommage, je n'utilise pas une épée. Décidément, tu fais une fixation. Je sens qu'il va revenir l'autre avec son verre d'eau. Hein. Oh, l'armoire est tombée, désolée. Ah, ça va, elle a tout viré. Easy. Enfin libre. Bon,
Fuyons avant que Quentin ne revienne. Vite, fuis. Je le voyais bien attendre devant la porte. Bonjour. Ah moi, j'ai pas regardé le laisser passer du coup. Nul. Waouh. Soyez. Voilà. Attendez, j'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme. Arrêtez-la. Mon laissez-passer. Rendez-le-moi immédiatement. Vous m'entendez? Oui, ben on a réussi cette histoire de laisser passer. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Et puis on reprendra demain, à mon avis. Demain ou après-demain. Selon les possibilités. Enfin, on va laisser l'arrivée à la ville, quand même. S'il n'y a pas de blabla, je pense que j'arrête là-dessus. Non, c'est bon. Je sais pas si ça a sauvegardé, du coup. Je pense que oui. Au pire, il y a une sauvegarde il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est bon. Et bon, on va s'arrêter là-dessus, les gens.